Peggy 12. Salut à tous les amis, c'est Inebradir et aujourd'hui on se retrouve enfin sur Ziggurat. Vous prononcez comme vous voulez, c'est pas grave. Un jeu que j'avais vraiment envie de faire depuis très très longtemps, mais ben, je l'avais pas tout simplement. Et je l'ai acheté très récemment et donc on se retrouve dessus. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne savent pas? Vous connaissez Isaac, vous connaissez tous les jeux... les jeux... merde, on appelle ça les roguelike. Et bien il s'agit tout simplement d'un FPS roguelite et donc il y a, énormément de choses à débloquer. Je vais vous montrer un peu. Alors sachez que j'ai un petit peu joué, hein, histoire de ne pas jouer comme une merde comme la dernière fois sur le jeu qui s'appelait Wendemort Dungeon. Donc, vous voyez un peu, tout ça c'est les trucs qu'on a de base. Enfin, ça s'arrête là je crois. Et donc moi j'ai débloqué un paquet de trucs. Mais il y en a, vous voyez, regardez. Voilà, il y en a vraiment. Bon, on va pas tous les faire, il y en a un nombre incalculable. Et donc, on va se lancer tout de suite pour pas perdre trop de temps. Donc, vous voyez, j'ai déjà fini le mode normal avec l'apprenti de base. Donc, comment ça marche? On choisit. Putain, il y en a plein, un personnage. On en débloque en faisant des choses dans le jeu, hein. On va pas tous les regarder. Moi, je vous ai réservé celui-ci, Simon. J'aimerais bien jouer avec, ça va être à mon avis assez dur parce que de ce que l'on en conclut, il n'a pas beaucoup de vie mais il est vraiment très fort. Et donc on va tenter de faire un run complet mais ça risque d'être compliqué mais tant pis c'est pas grave. Allez c'est parti. Alors je tiens à m'excuser d'avance, je suis plus malade... Mais je tousse encore un peu à cause de mon asthme, du coup j'essaierai de couper de ça au montage le plus possible, mais voilà. Bon bref, donc, comme je le disais, on commence, c'est une vue FPS, hein, c'est un FPS. On a de base une baguette magique, vous voyez, qui vide en bas à droite notre barre de magie pour la baguette, une barre de mana, si je puis dire. Et vous voyez à droite encore trois autres barres qui représentent en fait le mana pour chaque type d'arme. Ah, avec ce perso ça se remplit tout seul, c'est bien ça. Bas gauche ma vie hein. Et donc en l'occurrence ça c'est un truc offert, c'est aléatoire hein. Donc voilà, donc vous voyez qu'il y a en tout 4 armes. La première, la baguette, utilise uniquement le mana violet en bas à droite, ça se recharge tout seul. Les autres armes, il faut obligatoirement ramasser du mana de la couleur appropriée. Ça veut dire que si je dois utiliser par exemple les sorts, oh, putain, en plus j'ai le sort téléguidé, génial, putain ça va être cheaté. Oh, puis niveau 2 en plus, oh, bah, putain, il faut récupérer des cristaux bleus, ainsi de suite pour le vert et le violet. Enfin, l'orange, pardon. Sauf pour ce perso, apparemment, il n'y a pas besoin de... Ça se régénère tout seul, et ça, c'est cool. Bon. Donc ensuite, on se balade. Vous voyez, il y a une map.
et avec différentes choses, hein, le départ, le boss, des clés, des trésors, des dangers, des connaissances et des sanctuaires. Et donc on se balade et on voyait que là, il y a une grosse salle, donc je vais pas y aller tout de suite. De toute façon je vais essayer de faire le full jeu. Hein. Par contre on a que 50 points de vie alors que de base on a 100 points de vie. Hein. Et donc dès qu'on rentre dans une salle il se passe un truc, donc en l'occurrence là c'est juste des mobs assez merdiques on va dire. Faut quand même y faire attention. Vous voyez, il crache un peu de la merde à droite à gauche. Merde, j'ai plus de machin. Bah attendez, ça se recharge tout seul. Alors ça va être vraiment cheaté. C'est vraiment un sort vraiment cheaté. C'est vraiment téléguidé. Vous allez voir, c'est téléguidé. Je vais vous montrer. Je vise à moitié, vous voyez. Et regarde, je vais essayer de montrer. Ouais, bon, on voit pas très bien, mais... Voilà, tout le monde est mort. Ensuite, il faut ramasser l'XP avant qu'il disparaisse. Vous voyez, c'est les petits trucs comme ça, là. Et vous voyez qu'en bas, ma barre, elle monte. À part d'XP, et je vais mettre le jeu plus fort dans mes oreilles parce que j'entends rien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Chaque arme a une attaque. Ah, ça tire deux tirs d'abord et une attaque secondaire. En l'occurrence, l'attaque secondaire de la baguette, ça tire bah, plein de petites boules. Ah, oui, donc ça, c'est j'aime bien. Ici, c'est. Ah non, c'est de la merde. C'est une salle à piège, donc on y reviendra après. Apparemment, on a un premier étage plutôt grand. Ici, ah bah c'est le boss, donc ça sert à rien pour pas y aller. Puisque pour aller au boss, en fait, il faut récupérer la clé, en fait, tout simplement, pour accéder à la salle du boss. Donc ça ne sert à rien d'y aller, donc on va aller là, tant pis, hein. Donc voilà, un événement, vous ne pouvez attaquer qu'en l'air. Ah bon? Ah oui, effectivement. En effet, c'est... Putain, c'est chiant, dis donc. On va utiliser le téléguidage. Voilà, téléguidage. Ça c'est efficace. C'est efficace, c'est pas cher. Vous voyez là j'ai fait un tir secondaire, ça a envoyé masse. Et donc vous voyez en haut c'est, ce n'est pas la barre de vie des monstres, mais la barre de vie plutôt le nombre de monstres qui reste. Hein. Donc je récupère tout ça avant que ça disparaisse. Vous voyez ça commence déjà à disparaître, l'XP et tout. Faut se dépêcher de le ramasser sinon on se fait baiser. Donc je sais pas si vous avez le temps de voir parce que voilà, c'était un peu tendu du string, mais j'ai récupéré. Ah bah oui, la clé, tiens. J'ai récupéré, bah, je croyais que j'avais supprimé les... Bon c'est pas grave. J'ai récupéré des cristaux pour les différentes couleurs. Mais c'est bien ce perso parce que du coup ça se régénère tout seul et ça c'est cool. Donc là, vous voyez, c'est pas une salle spécifique, c'est une salle tout à fait... Ah bah oui, une salle tout à fait classique. Donc on va niquer ça direct, paf 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 paf. C'est un piège ça, non? Parce que des fois le sol est piégé. Hein. Et du poison, des trucs à la con. Ah bah du coup je vais pas m'en priver, hein. Si ce personnage là il régène tout seul, moi j'y vais. Hein. Vous voyez là il y avait un petit cristal vert. Donc le... Alors, ça c'est la baguette. Le bleu c'est les sorts. Le vert c'est les bâtons. Et l'orange ce sont les armes technologiques on va dire. Il n'y a pas de... Oh bah tiens. Ah bah je me suis fait toucher. Comme une merde. Comme un gros caca. Hop. Ouais non mais c'est génial franchement. Il y a pas beaucoup de vis perso mais il est shit. Ah voilà, c'est très bien, très important que je tombe là dessus, c'est très bien. Alors ça c'est une salle de connaissances. En fait il y a un papier récupéré, un document. C'est en gros c'est du lore hein. C'est à dire pardon. C'est des choses sur l'histoire du jeu. Et ça se cumule. Et ça donne un peu d'XP et j'ai déjà récupéré pas mal de, ouais je sais plus, 5-6 Attendez, je vais attendre que ça bruit là. Le perso a vraiment... Putain, il a vraiment pas beaucoup de vie, alors faut vraiment en prendre soin. Voyons voir là, est-ce que c'est une salle classique? C'est une salle classique, on va pas y aller. On va aller voir ce qu'il y a avant ici. C'est une salle classique aussi. Et j'ai monté un niveau, vous inquiétez pas, je l'ai vu, mais... voilà, des fois je l'ai... Merde, oh là là. Ah oui, bah vous avez pas eu le temps de le voir, il est déjà mort. Mais il y avait un monstre qui était légèrement bleu, vert pardon, c'est qu'il est, c'est un monstre spécial tout simplement. J'ai pas eu la clé, ah si j'ai eu la clé. Alors, quand on monte un niveau, on appuie sur U. Et on accède un peu... Oh c'est cheaté ça, ah putain ça veut dire que je suis déjà niveau. Wow. Et donc on a... Quand on monte un niveau, pardon excusez-moi, je parle tout seul mais je me comprends. Quand on monte un niveau, on a le choix en fait entre plusieurs améliorations des cartes.
Donc en l'occurrence à gauche j'ai paillé votre vie avec la faucheuse. Si vous gagnez tout est. Je suis full life mais voilà, si je perds, je perds de la santé max, donc ça non. Par contre ça c'est très bien, puisque ça augmente la cadence de vos attaques alchimiques. Donc en gros les attaques alchimiques c'est les attaques qui utilisent les armes alchimiques, donc les armes qui utilisent des trucs orange. Si j'appuie sur U, non c'est pas U, si c'est U, on peut voir les stats de mon bonhomme. J'ai oublié de vous montrer, je suis désolé, donc je suis niveau 2. Putain il est cheaté ce mec dès le début, what the fuck quoi. Donc on a déjà, donc ça on est niveau 5. Augmente la cadence d'attaque de vos sorts, donc 4, augmente la cadence de bâton, la cadence d'attaque de des baguettes, réserve, oh là là, on est cheaté, mais on a pas de vie, mais bon c'est pas grave, la vie on va essayer de bien jouer. Cadence d'attaque réduite, ok, donc ça, bah ah oui, effectivement, on tire bien moins vite. Ah, attendez, ça c'est casse-couille, c'est à moitié des tirs téléguidés, donc on va faire gaffe. Du coup, au final, moi aussi je vais du tir téléguidé, tiens, donc on y est. Voilà, putain, il me one shot quoi, what the fuck, il est trop balèze ce mec. Enfin, me dirait le sort aussi, il est puissant, hein. Il est vraiment très puissant ce sort. C'est pas un sort de base, hein. J'ai débloqué assez rapidement, j'ai dû faire le jeu même pas une fois. Parce qu'à chaque partie, même si on meurt, on gagne en quelques cartes, donc c'est cool. Donc c'est parti pour le boss. Et ça va être. Ah, Sir Arthur, je l'ai battu qu'une fois, je crois qu'il est assez chiant. Vous voyez, là par contre, c'est la vie du boss en gros. Hein. Voilà, donc il invoque 3 milliards de mecs. Il me balance des vieux crânes à la con. Allez, je vais récupérer un peu de cristaux. Ah putain, j'ai tué, nickel. Hop. Et voilà, je suis déjà full, voilà. Nickel, pas trop compliqué. Alors de mémoire, il faudrait que je tombe sur une carte qui fait que les potions sont bien plus puissantes, comme ça on aura moins de problèmes. Donc après, chaque niveau il y a des statistiques, mais on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, ça sert à rien, c'est juste, voilà, c'est pour vous montrer que vous avez une grosse cliquette. Après chaque niveau, on a un truc. Ah bah non, c'est de la merde, ils font chier, ils m'offrent l'âme gelée, donc ça c'est un truc de base. Ah non, c'est niveau 2, tiens. Mais je m'en bats les couilles, on va pas la prendre, moi je préfère ça. Alors les tonneaux, ça sert techniquement à rien, mais des fois de temps en temps il y a des tonneaux piégés qui font du poison ou il y a des cristaux dedans. Moi je m'en sers parce que des fois il y a une carte qui fait que quand on casse des objets, eh bien ça nous soigne. Donc généralement il y a déjà le boss. Oui, hein. Moi je. Vous voyez, je vais vous montrer, non ça sert à rien, je vous le montre, mais on peut pas y aller, ça sert à rien. Alors des fois, il y a des faux murs et ça amène dans les salles secrètes. Donc faut bien garder et ça se voit bien normalement. Putain, il n'y a que de la merde. Ah putain, alors ça c'est une salle événement, vous voyez. Il y a marqué pillage en haut. Ça veut dire que même si je tue des monstres, il se passera rien. Il faut que je récupère toutes les couilles violettes. Putain, je vais prendre trop cher. Je vais me dépêcher parce que là je vais prendre vraiment cher. Parce que les monstres ils pop à l'infini pour l'instant là. Hein. Et là en plus c'est des mobs bien casse-couilles. J'ai déjà plus de life. Allez, encore une quéquette. Ah merde, j'ai repris. Quel gros con. Vous auriez pu me le dire quand même. Vous auriez pu me le dire, les amis. J'avais pas fait gaffe, désolé, c'est de ma faute. Voilà, moi je veux ça, moi, faut pas déconner. Bah, du coup, vous avez quand même pu voir le truc de glace, hein, comme ça. Pas de faux mur ici. Putain, j'ai plus de vie. Ça, c'est une salle où y'a rien. On verra après. Je donne priorité aux salles utiles. Je sais pas si c'est des potions. Ah bah voyez ce que je disais, hop. Non putain, y'a rien. Y'a rien. Une potion, nickel. Merde celle-là, hop. Merde, y avait des pics. Ça c'est la baise, j'ai monté un niveau, quand on monte de niveau on en récupère pas notre vie, hein. C'est pas comme ça que ça marche. Putain, et en plus je vais vers le truc quoi. Ah oui, des potions partout là. Bah attends, mais ça me soigne pas. Attendez, j'avais plus de vie que ça ou quoi? J'ai pris deux potions, ça m'a rien fait, j'ai l'impression. Alors ça c'est piégé, hein. Je marche dessus, une seconde et y a, voilà. Regardez la potion là. Ah putain, c'est que 5 points de vie. Oh putain. Oh, ça va être tendu. L'efficacité potion, et bah c'est ça que je voulais.
Voilà, c'est très ton axe parce que du coup j'ai plus de vie, mais au moins les potions voilà, elles sont plus efficaces parce que là faut pas déconner. Je suis aussi voyez, qu'un agent bomber, ça va pas. Hein. Je suis très puissant avec ce bonhomme, mais on a vraiment vraiment pas de vie. Hein. Il rigole pas, dit qu'on a pas de vie. Alors ça c'est très chiant. Ah putain c'est fini. Ah merde, je suis. Attendez, il y avait une potion là. Ah voilà, putain oui les potions. Ça c'est cool. Ici il y a quoi? Ah putain, une salle avec un coffre. Alors des fois il y a des monstres qui pop. Donc attention, je me rapproche. Un truc aléatoire, une arme, un pendentif, n'importe quoi. Ah non, j'ai eu, bah j'ai eu une carte, donc voilà. Et donc ça peut passer mon sorcier niveau 3. Donc les gemmes de mana vous donnent plus d'énergie magique. La base. Et il n'y a pas ni de monstres ni de faux murs. On se casse de là. Ouais. Du coup, bah, on va aller à droite. Ça a l'air d'une grosse salle. Ça devrait être assez easy pour éviter les monstres, j'espère. Oui, bah voilà, vous l'avez vu le téléguidage là quand même, là, faut pas déconner. Hein. Là, c'est vraiment le shit absolu, quoi. C'est ce pouvoir là. Bien penser à ramasser l'XP rapidement parce qu'il disparaît assez rapidement. Et ça, c'est chiant, c'est relou du cul. Attends, je vais péter cette merde qui va me casser les couilles 20 ans sinon. Voilà, ça avance bien. Voilà, ça, ça fait du poison, c'est chiant. Putain, j'ai marché. Ah oui, la potion, ah oui, oui, oui. J'ai bien fait, hein, j'ai sacrifié. Merde. Une carotte à la coupe. J'ai sacrifié de la vie max, mais c'était à bon escient. Hein. C'était vraiment pour que les potions elles soignent. Parce que si j'ai pas de vie, les potions elles sont 5 points de vie, on va pas aller chier loin. Ah, bah la clé. Quelle clé du portail acquise. Vous pouvez maintenant invoquer le gardien de cet étage. Moi, j'aimerais bien vous montrer une salle sanctuaire. Ce serait cool. Et une salle secrète aussi, pourquoi pas. Mais alors là, s'il y a vraiment que des carottes, ça va être easy. Hein. Les carottes, c'est le monstre les plus faibles du jeu. Hein. Bon, là, celle-là en plus. Attendez, je prends tout l'XP parce que je suis con, il va disparaître. Putain, comment j'ai. Je suis trop con. Moi. En plus, je vous l'ai dit, l'XP il disparaît vachement vite. Genre, à la limite, perdu tout l'XP quoi. Alors, putain, y a pas de salle secrète quoi, y'a rien. C'est des grosses salles vides. Ah, alors ça, c'est une autre salle piégée que j'aime bien. Enfin, que j'aime bien, je vais pouvoir vous montrer parce que j'aime bien. Alors, du coup, il faut éviter les pièges et à la fin, on a un gros coffre au trésor. Là, c'est assez facile, c'est juste des flammes à la con. Mais des fois, pour faire du jump par-dessus des pics ou des trucs à la con. Et on a un truc aléatoire en général. Une amulette. Ah putain, oui! Donc, j'ai eu plein de points. Et une amulette. Alors, une amulette, on peut en avoir qu'une en même temps. Donc, celle-là, elle étourdit tous les ennemis, sauf les boss. Sauf les boss. Donc, ça, j'ai jamais eu, j'ai jamais testé. Je sais pas ce que ça fait. Enfin, si, j'ai lu quand même. Alors, du coup, l'amulette est apparue en bas. Est apparue en bas de mes barres de mana. Vous pouvez le voir. Et en fait, quand je m'en sers, après, faut la recharger. Et elle se recharge en tuant des monstres. Voilà, tout simplement. Désolé, au fait, j'ai eu un petit freeze il y a quelques secondes. Parce que le jeu, là, il tourne à 120 FPS. Hein. Merde, je suis rentré dedans. Ah, merde, je regardais plus. Oh là là. Je regardais même plus mon écran. Désolé, c'est de ma faute. Bon, ça, ça se casse. Je sais pas quoi ça sert, mais ça se casse. Voilà. Et... ah, merde, 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 je regardais pas. Je crois que le monstre, il s'est fait écraser, non. J'ai réussi à venir ici. Attendez, je vais essayer ça, l'amulette. Ah oui, génial. Ah oui, putain. Ça a étendu tout le monde sur la map. Ça c'est nickel, ça. Alors eux, les gros golems là, ils explosent en petit et c'est chiant, donc faut les buter de loin. Regardez, après ils explosent. Ah putain, désolé pour le freeze. Si j'aurais su, j'aurais mis 100 FPS quoi. En plus, j'ai complètement oublié de changer mes réglages. Voilà, nickel. J'ai pris. Putain, mais on monte pas de niveau aussi, putain, avec ce bonhomme. Hein. What the fuck, quoi. On monte rien, rien. D'habitude, là, je suis déjà. Bon, au moins, vous voyez, mon amulette, elle s'est rechargée, hein, full. Hein. Ça, c'est nickel. J'avais cru que c'était un faux mur.
Bon bah écoutez, c'est pas très productif parce que j'aurais bien voulu vous montrer quand même. Parce que ça, les salles de sanctuaire, c'est les meilleures salles du jeu. Hein. C'est là où on se overshit, mais apparemment... le jeu a décidé d'être punitif avec moi aujourd'hui. La reine Amanda, qui va se prendre à multitude de shots dans la gueule, voilà. Faut pas déconner, moi je vais bourriner sa chatte, comme on dit, à la maison. Voilà, et elle est morte. Eh oui, bah oui, je sais, ça a l'air dur, mais facile, mais je vous rassure, c'est ce personnage-là, hein, parce que normalement c'est dur. Hein. Je vous dis que la première fois, j'en ai chié dans mon froc. Hein. Alors il y a 5 étages, je crois, à moins qu'il y en ait d'autres qui se débloquent avec le temps, mais moi j'avais fini le jeu, j'étais rendu au 5ème étage. Putain, et en plus, je suis malchanceux, putain, regardez, encore un sort. Ah, je le connais pas celui-là. What the fuck, je connais pas celui-là, attendez. Ah oui merde, j'ai monté un niveau. Alors votre réserve de mana, non. Oh allez, vas-y, on prend ça. Alors qu'est-ce que c'est que ce bateau, ce truc là? Une attaque magique puissante qui ne rate jamais sa cible. Bah dis donc, ça peut être bien ça. Apparemment faut battre le boss avec ça, le boss final, et apparemment ça fait un succès. Bah du coup les amis, pour vous, je vais tester ça, hein, parce que je connais pas. Ah bah putain, il y en a une enfin. Alors ça, c'est les salles. Au petit bonheur la chance, on va appeler ça. Il y a 3 hôtels à chaque fois où il faut prier. Par exemple, ça c'est l'hôtel gratuit. L'hôtel gratuit a un fort pourcentage de chance d'avoir un effet négatif. Ou alors ça peut avoir un effet neutre ou un effet positif. Donc on va le faire. Faveur divine, j'ai du bol. Les potions soignent plus. Voilà, j'ai du bol. Donc il y a faveur divine, indifférence divine et punition. Les punitions c'est mauvais. Donc là, je paye de la vie. Donc il y a plus de chances que c'est un truc bien. Mais des fois c'est de la merde. Très bien, protection contre l'attaque ennemie améliorée, très bien. Donc en gros maintenant je suis plus résistant, très bien. Et enfin là je paye du mana, donc il y a toujours ça, hein. Toujours le gratuit, le je paye de la vie et le je paye du mana d'une couleur aléatoire. Quelle attaque a augmenté, très bien. Que du bon. Que du bon les amis, pas de problème. Que du bon, une salle classique. Bon maintenant de toute façon j'ai déjà eu les bonnes salles, donc à mon avis il y a déjà le boss quoi. Et je peux déjà battre le boss si je veux. What the fuck. On va pas le faire parce qu'il faut que je monte de niveau quand même, parce que sinon je vais être une grosse merde. Donc testons ce crâne à la con là. Ah ouais, nickel. Putain, c'est cheaté. C'est plutôt fort. En plus, ça coûte apparemment très cher. Hein. Par contre, niveau consommation de mana. Ah merde, c'est explosif, putain, je m'explose. Ah putain, oui, je m'explose la gueule comme un connard. Attendez, j'ai tendu tout le monde, voilà. Heureusement qu'on a régénération de mana infinie avec ce personnage là, parce que... Oh là là, c'est tendu du cul, hein. Putain, Putain, en tout cas c'est cheaté, hein, franchement, mais bon ça coûte cher, hein, franchement. Voilà. Ça coûte cher, heureusement qu'on a régénération de mana avec ce bonhomme parce que... Il serait inutilisable ce crâne. Donc on va le garder quand même parce que ça me semble bien. C'est dangereux, c'est risqué parce que je vais me faire mal régulièrement, je pense, en me blessant, mais bon. Faudrait que je tombe sur le... des cartes, en fait, t'as des cartes qui... qui fait que quand je rentre dans une salle, ça me souhaite de la vie. Oh, attendez. Voilà, un petit peu de pesto. Une salle toute petite, ça va être dangereux d'utiliser le crâne. Alors ça, c'est relou. On l'a même pas vu que c'était relou, du coup. En fait, faut attendre qu'ils ouvrent la bouche, vous voyez, pour les tuer. Mais apparemment, le crâne est tellement fort qu'ils s'en bat les couilles. Voilà. Putain de merde. Et donc faut battre le boss final avec ça. Et apparemment on a un petit succès. Donc bah écoutez, c'est tentable, hein, il est balèze, hein. Il faudra juste que je fasse gaffe à pas rester trop près des mecs, quoi, parce que... Non, on va pas prendre ça du coup. Une salle classique. Bien évidemment tout est aléatoire les amis, hein, mais bon je pense... Ah putain, bah très bien, une salle obélisque, ça c'est cool. Les seuls obélisques, qu'est-ce que c'est? Bah il faut péter les obélisques, voilà. Pas très compliqué.
compliqué à comprendre. Et quand on la pète, il y a 10 000 stuff qui pop. Voilà, je prends tout. J'ai étendu tous les ennemis, hein, ça fait exprès. Hop, hop, hop. Allez, jusqu'à épuisement. Voilà, on n'a plus rien. Une fois que les obélisques sont détruits, il faut buter les mobs, hein, parce qu'en fait les mobs ils apparaissent à l'infini quand les obélisques sont pas détruits, je crois. Oh, c'est cheaté, mon gars, tu vises même pas. Tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles de la vision. Allez, tu t'en bats les couilles. Tu t'en bats les couilles au complète. Les ennemis lâchent plus d'objets, ça c'est cool. Regardez. Attendez, on peut pas là, si. Ah oui, effectivement, il lâche vraiment beaucoup d'objets, donc c'est très bien. Voilà, j'aime les salles modées comme ça, ça c'est cool. Pas de salle machinée, bon tant pis. Cette salle là c'est une salle classique aussi, les ennemis sont classiques. Et j'ai sauté dans la boule de feu comme un connard. Voilà, ça c'est bon. On monte un niveau, pas de salle, non, pas de salle, non. Hop, on casse tout ça, des fois qu'il y aurait des choses, genre de, je sais pas, des choses. Voilà, moi je casse toujours de toute façon. Donc on monte à niveau, donc on a dit, donc on va prendre... augmente la cadence, bah de toute façon ça, ça sert à rien. C'est de l'instant en fait, ça peut être utile par moment, mais c'est vrai que ce perso là, ce n'est pas très utile. Moi, je l'ai pas dit, mais bon, on peut sprinter et tout, hein, mais bon, à la base, hein, dans un jeu, de toute façon vous l'avez vu. Oh, putain, c'est une grosse salle ici. Ah putain, un crâne et il meurt quoi. Nickel quoi. Voilà, un crâne et il meurt, voilà, c'est terminé. Putain, je sais pas pourquoi je m'en doutais que j'allais me prendre le machin. Et je ne vois plus rien. Hop. Hop, voilà la potion. Il est où Jean Bonneau? Il est là-bas. Un petit crâne dans ta gauche. Voilà, même deux. Voilà, donc cette salle-là, rien du tout encore. Est-ce que dans celle-là, ça va être plus productif? Ah oui, ça, ça va être productif. Donc on va y aller. Oh putain, celle-là déjà, elle sera plus compliquée. On va obligatoirement prendre des dégâts. Merde, en plus je fais de la merde. Attendez, au pire les amis, je vais rusher comme un connard. Quitte à perdre de la vie, c'est pas très grave. Si je me dépêche, ça devrait le faire. Voilà, c'est bon, j'ai pas perdu beaucoup de vie. Voyons voir, voyons voir, voyons voir. Ah bah, enfin. Ah bah tiens. Au moins la grand-mère, bah, hein. Ouais, mais ça c'est de la merde, donc on va prendre ça, c'était bien. Donc là j'ai eu un bâton. Et donc ce bâton il est trop cheaté. Parce qu'en fait vous allez voir. Vous allez comprendre très vite. Je vais vous montrer ça sur la salle suivante. Ça c'est cool, je suis content. Il me manque plus que le truc technologique à vous montrer. Attention. Oh putain, non, je connais pas celui-là. What the fuck. Putain, génial quoi, génial. Les tirs rebondissent partout dans les murs, ça c'est génial. Bon, par contre, ça part très vite, hein, mais c'était violent. Putain, mais c'est quoi ce bâton? Ah, mais putain, mais j'étais persuadé que c'était pas ça. Bon. C'est génial quand même, c'est encore mieux que ce que j'espérais. Là, c'est vraiment ultra cheaté. Donc là, j'ai eu quoi? Une carte encore. Augmente la taille de la réserve de mana. Ah, ouais, c'est très bien. Donc là, j'ai une plus grosse réserve de mana. Donc les mana, c'est les sorts, hein, donc les livres. Donc les... Ah, bah, tiens, des. Voilà, il y a ce qu'on va faire. Allez, hop. Les obélisques, attendez, on soigne, voilà, les obélisques. Attendez, hein, je me concentre deux secondes. Pas de potion en plus, les obélisques. Voilà. T'as des potions, oui, nickel, ça c'est bon. Oh merde, oh nick.
Nique ta mère, nique ta mère. Voilà, ça c'est bon. Et donc, putain, oui, ça rebondit bien. Ça c'est cool. Et ça c'est cool. Bon, ça va, j'ai plein de. Putain, c'est génial ce bat. Hop! Voilà, comment perdre de la vie tout bêtement comme un con. Ouais, je sais, je suis une merde, hein, je sais. Là, je veux bien vous le concéder. Et y a les mecs qui se mettent invisibles aussi, hein, faut faire attention. Voilà, là... Ah putain, il est super balèze celui-là. Voilà, c'est bon. Je dépense tout, hein, on s'en bat les couilles, hein. C'est infini avec ce bonhomme, on s'en bat les couilles. Ah oui, de la vie. Un peu d'XP. Ah oui, il s'est barré, vous avez vu mon petit point d'XP, il s'est barré. En plus, j'ai l'impression qu'il spawn, on gagne pas beaucoup avec ce mec. Putain, c'est fou ça. Regardez, même tout est à fond déjà. Tout est à fond, je peux déjà réutiliser. Génial, génial. Bon, bah du coup, on a terminé ce donjon. Il était plutôt fructif. Pour aller au boss. On espère qu'il soit pas trop dur. Je rappelle que mon pendentif ne marche pas sur les boss. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais je l'ai fait. Pas de porte secrète. Alors je dis peut-être des conneries, mais normalement il n'y a pas de dégâts de chute, hein, il me semble. C'est où là? C'est en haut. On y arrive, hein, on y arrive. D'ailleurs, c'est quoi le tir secondaire? J'ai même pas essayé. Oh putain! Ça tire un espèce de truc. Bonjour. Ah bah pour le boss, ça va être cool ça. Adam. En plus, c'est un gros tas, il va être très lent. Non, c'est pas rentable les gros crânes. Là c'est plus rentable comme ça. Allez vite, dites avant que je meure là. Parce qu'il fait vraiment très très mal le con. C'est bon, j'ai réussi à tuer tout le monde. Enfin le boss. Et quand on tue le boss, tout le monde meurt en fait. Donc c'est pour ça, des fois il vaut mieux pas se prendre la tête. Pff, putain c'était chaud. Et j'ai gagné quoi du coup? J'ai le choix entre maîtrise des sorts, augmente la cadence d'attaque de vos sorts. Autre, allez hop ça, c'est très bien. Sachant que les sorts, merde, sachant que les sorts bleus c'est les crânes et que c'est balèze. Bon je vous remonte vite fait hein, parce que je sais pas si vous avez vu tout à l'heure. Vous voyez, à chaque fois, bonus de fin de niveau, pièce traversée, ennemi tué, espérance de contenu. Voilà, vous allez, vous faites pause, très bien. Et on arrive déjà dans le quatrième étage, je crois. Cathédrale maudite. Putain, mais je suis malchanceux, mec. Les mecs, j'ai que des putains de livres, quoi. Ils font chier la bite. Charbon infernal, ça c'est bien ça aussi. Mais bon, on s'en bat les couilles, nous on veut le crâne. Nous, on veut le crâne. Ceux-là ils sont relous, on va utiliser ça. Ok, donc ça va être chiant. Alors, pour les battre, il y a une technique en fait, faut qu'ils tapent. Et pendant qu'ils tapent, ils sont vulnérables. Voilà, vous avez compris. À dire c'est bien, à faire en pratique quand on a un mage qui a pas beaucoup de vie, c'est compliqué. C'est comme la plante en fait, hein. C'est voilà, c'est chiant. Vite mon XP, il va se barrer, il s'est barré. Voilà, du tout, sinon ils sont invincibles, hein, sinon. Hein. Donc en fait ce que je faisais tout à l'heure, attirer comme un bourrin, ça sert à rien. Hein. C'est comme les fleurs, ça ne sert à rien. Drain de mana, ok, donc ça, on va pas rigoler 2 minutes. Voilà, je vous nique, je vous nique, je vous nique, je vous nique. Tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs, tu meurs, on s'en bat les couilles. Tu meurs, allez hop, c'est parti. Voilà. Pas trop difficile. Ah, mais en fait, tout ce que je ramasse, ça me fait du mana quoi. C'est vraiment le perso cheaté quoi. Putain, il y a déjà le boss, j'ai pas la clé, je crois.
spéciale normale. Vous ne pouvez utiliser que la baguette. D'accord. Ok. Donc on va niquer déjà les trucs qui font chier là, les petites merdes là. Attendez, avant que voilà tout disparaisse, je prends tout, je me barre. Je sais pas si on peut les péter de derrière. Bon, ça s'est plutôt bien passé. Hein. Déjà que je suis balèze avec la baguette, alors en plus, si les mecs ils me disent baguette cheatée, attendez. Non. Hop, sale piégé la con. Donc, ça, c'est une salle juste de passage piégé. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de. Il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. C'est vraiment le truc de merde. Putain, il y a de merde là. Oh merde! Ah putain, j'ai sauté sur le bâton. Ah, sur le bâton. Oh le rwandin. Il n'y a que des salles de merde quoi. Ça va, ça fait le ménage. Hein. Ça fait tout, ça fait le café en même temps. Ça fait le café et la galette. Le cul de la crémière, je sais pas pourquoi je dis ça, ça n'a rien à voir. Voilà. Bah oui, je suis con, j'aurais dû utiliser ça sur eux. Oh là là, merde, j'ai plus de vie, j'ai plus de vie. Putain, c'était chaud du cul, dis donc. Ah putain, oui. Bah oui, enfin, je m'en fous un peu, mais. Enfin, je m'en fous un peu, non, parce que ça me fait de l'XP. Pas les livres, hein, le lore, hein, le lore, ne vous inquiétez pas. Ah putain, j'ai bien fait de péter les livres, j'ai une potion. Bah, du coup, ça répond à ma question. Hop. On s'en fout. Je vous le montrerai un jour dans une vidéo si vous le voulez. Je monte un niveau. Mana infini jusqu'à ce que vous preniez un coup. Ah c'est bien ça mais non. C'est bien mais non. Oh putain quel connard. Oh quel connard. Oh quel connard. Oh quel connard. Voilà excusez moi les amis. Oh quel connard. Putain les obélisques Vous imaginez j'aurais pris le truc mana infini jusqu'à voilà. J'aurais déjà perdu mana infini quoi. La carte elle aurait été useless quoi. Ah merde. Ah merde enculé. En même temps je vois rien avec tout ce loot là. Putain on voit que dalle quoi. Allez vite 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 l'obélisque. Allez vite 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 vite. Voilà nickel. Maintenant on prend le sort crâne cul là. Et on débraille là. Là ça y va là. Voilà c'est un gros crâne. Ah ils sont contents les gros crânes, ils adorent ça, regardez, 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 regardez. Voilà boum. Bon c'était chaud mais on s'en sort bien. Putain mais c'était une salle inutile quoi. D'ailleurs qu'est-ce que je cherche? Ah oui je cherche la clé pour aller au boss. On reprend la baguette parce qu'elle est vraiment géniale. Putain. Ça sert à rien de les battre, ça sert à rien. Allez, cours, mon petit, cours. Voilà, c'est bon, on a tout pris, on se barre de là. Ah putain. Ah, ça m'en. Putain, j'ai peur que ça me tombe sur la gueule et que ça me tue. Ça. Vous imaginez un peu. Putain, c'était tendu du cul, hein. J'en ai des sueurs froides quoi, j'en transpire du front. J'ai regardé s'il n'y a pas une petite salle secrète, j'aurais bien. Franchement ça aurait été cool, mais il n'y en a pas toujours, hein. J'en ai vu que deux fois je crois. C'est des. Ça fait des grosses failles dans le mur, ça fait des murs fragiles quoi, et on tire dedans et ça pète quoi. Mais il n'y en a pas non.
du coup j'ai pas. Ah putain, mais attendez, mais. Ah merde, il y a une salle que j'avais pas vue, oh là là. Attendez, c'est la salle de con, ça voilà. Voilà, hop, hop. Par là. Je pète tout encore une fois, des fois qu'il y aurait des choses intéressantes. Nanana, voilà. Que dalle. De toute façon, ça va être forcément la clé. Bah attendez, je suis où là, what the fuck? Ah oui, d'accord, ok. Non, c'est de merde. Alors ça, je pense que c'est des points, les calices là, parce que... Je crois au début, je pensais que c'était 10 P, mais... Oh merde! C'est une sale pillage. Ça, c'est dur, hein. Tant qu'il vous le dit. Parce que les monstres, ils pop à l'infini tant qu'on n'a pas tout chopé. Et pendant ce temps là, il pop à l'infini et c'est chiant. Alors on court, on court, on court, on court. Ah, j'ai déjà plus de vie. Normalement il me reste plus beaucoup de dragées à choper. Oh putain, je suis mort. Oh les boules les amis, je suis vraiment désolé. J'aurais vraiment voulu vous montrer, mais alors là... Je suis mort mais instant quoi, alors que ce personnage il est trop cheaté. Oh là 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 là, je suis deg. Je suis vraiment deg les amis, je suis vraiment désolé. Et du coup quand on a fini dans les stats finales et on gagne des choses, en l'occurrence j'ai débloqué un nouveau personnage qui est Rigel. La bombe porc épique. L'invocation des arcanes. Oracle, vous en recevez pas de munitions divines. Ah bien ça. Bâton de l'aigle. Amulette du savant. Et voilà, et donc j'ai gagné un tas de cochonneries les amis. Et ça me fait un peu chier, je suis vraiment désolé, j'aurais vraiment voulu vous montrer jusqu'à la fin. Mais bon, tant pis, écoutez, si vous voulez voir une autre vidéo, dites-le moi en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous voulez voir, etc. Si vous voulez que je fasse un truc en particulier, bref. Si vous en voulez une autre, j'en ferai une, sinon, ben, je pense pas que j'en ferai. Moi, je jouerai dans mon coin tout seul, hein, comme un connard. En tout cas, si ça vous a plu les amis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et un petit commentaire aussi, ça me ferait plaisir. À suivre mon Twitter pour les nouvelles actualités. Mais pour le moment, je vous dis salut à tous, à la prochaine et surtout portez-vous bien.